Changement de boue pour Mathieu et Xavier. On repart 13 minutes plus tard en marche 136-624 à destination de Paris-Saint-Lazare. L'arrière du train aura dégagé la pancarte R, on sera libéré de la limitation à 60 km/h qu'on avait pour la sortie de la gare de Pontoise. Donc cette rame fait un petit peu moins de 200 mètres en fait. On a, sur la région de Paris-Saint-Lazare, on a une spécificité, c'est qu'on a on a une commande de 55 rames de nattes en version courte, c'est-à-dire en 7 voitures, avec une caisse, une voiture centrale qui est raccourcie, qui fait un peu plus de 9 mètres de mémoire. Et donc chaque élément, chaque US fait 94 mètres 31. Donc c'est lié à nos infrastructures et notamment à l'arrivée en gare de Paris-Saint-Lazare. On verra tout à l'heure le dispositif d'aide à l'arrêt là, qui permet de fiabiliser l'arrêt de nos trains et d'avoir une bonne visibilité des signaux de sortie lors du changement d'extrémité du train. Mais c'est pour ça que sur le réseau de Saint-Lazare, on a des rames plus courtes que sur d'autres réseaux comme sur Paris-Nord, où là on a des nattes en 8 voitures. Je vais avoir un TIV vitesse limite 80 présenté qui m'indique que je suis bien dirigé vers la direction de Paris-Saint-Lazare. Si jamais ce TIV était effacé, je rejoindrai les voies du RER A, la branche Sergi-Léo. On peut voir mon repère d'arrêt, en fait, le panneau Z50 1 et 2, c'est-à-dire que quand on est un seul élément ou deux éléments, on doit s'arrêter avec la cabine
à peu près à la hauteur du panneau. Toute l'implantation de ces panneaux, c'est régi par une, il y a une norme hein, d'implantation. Et le conducteur doit s'arrêter au moment où il va perdre la vision de la pancarte sur l'arête du pare-brise.